On va parler de deux sujets. Le changement de paradigme 1 et comment construire une organisation. Ça sera le premier volet de cette formation. Et ensuite, on va parler de changement de paradigme 2. Comment aider ces downlines à pouvoir se développer et à pouvoir construire leur système. Le changement de paradigme 1 et comment construire une organisation, c'est une vidéo qui fait partie de notre système. Ça fait partie de notre système de travail. Et si on remarque très bien, personne ne démarre le business sans commencer par le changement de paradigme 1 et comment construire une organisation. Et aujourd'hui, pour entamer cette formation, et j'ai envie de dire une vérité qui est très nette, une vérité assez importante, c'est que dans ce business, tout le monde peut faire. Je me répète, tout le monde peut faire ce business. Peu importe d'où tu viens, peu importe quel niveau d'études tu as, quel que soit là où tu viens, tu peux faire ce business. Et l'une des choses pour accompagner, qui aide vraiment tout le monde à pouvoir faire ce business, c'est que quand on démarre ce business, on doit avoir un bon esprit. Parce que la plupart d'entre nous, nous avons démarré ce business et on vient de quelque part. Est-ce qu'on d'accord? On a une origine. Et la plupart d'entre nous, on a démarré ce business pour faire quoi? Pour gagner de? Pour gagner de? L'argent. Pour gagner de? L'argent. On a vu cela comme une opportunité. Une opportunité pour se faire de l'argent. Donc, quelqu'un qui saisit une opportunité pour se faire de l'argent, ça veut dire que là où il n'est pas vraiment à l'aise. Quand je démarrais ce business, je n'avais pas de boulot. Je n'avais pas d'activité du tout. Et quelqu'un qui n'a pas d'activité, qui vit sur des crédits, qui vit en train d'emprunter, quel peut être son état d'esprit? Quand tu rentres dans ce business et que l'un de tes devanciers est en train de dire, il faut être enthousiaste, il vient au bureau, chaque fois qu'il vient, il dit, c'est quoi les gars? Il cherche même à te faire sourire. Mais tu es toujours en train de dire quoi? Est-ce qu'il connaît mes problèmes? Est-ce qu'il sait que j'ai marché même aujourd'hui pour venir au bureau? Est-ce qu'il connaît mes problèmes? Et donc tu es toujours dans cet état d'esprit-là. Mais en même temps, c'est quoi? Il y a un combat qui se crée. Tu es dans cet état d'esprit de passer, mais en même temps, tu veux avancer. Est-ce que c'est deux choses qui peuvent aller ensemble? Non. Donc, tu es toujours retenu en arrière. Et quel que soit ce que tu vas faire, si tu restes dans cet état d'esprit, ça sera très difficile pour toi d'avancer. Donc, quand tu démarres ce business nouveau, comme ancien, quel que soit là où tu te trouves, ton état d'esprit doit être toujours l'état d'esprit de celui qui dit, « Ok, moi, je peux le faire. Moi, je vais avancer. Ce business, c'est mon business. » Et si tu as cet état d'esprit, ça va changer quoi? Ça va changer ton attitude. Le bon état d'esprit change l'attitude. Change ta manière de te comporter. Change tes actions. Change ta manière de bouger. Change ta manière de t'élever. Change ta manière même de sortir de la maison. Ça change tout. C'est pour ça qu'il y a un écrivain célèbre qui disait, ton attitude dans la vie va faire quoi? Va changer ton altitude, va influencer ton altitude. Donc, ton attitude dans la vie va déterminer quoi? Ton altitude. Il n'a pas dit ton altitude va déterminer ton attitude. Il n'a pas dit c'est quand tu vas réussir que ton attitude doit changer. Il a dit tu dois changer d'abord ton attitude avant que ton succès soit réel. Malheureusement, certaines personnes disent j'ai commencé le business, je n'ai encore rien gagné. Pourquoi on me dit d'être enthousiaste? Les gens se disent, mais pourquoi est-ce qu'on me demande d'être enthousiaste? Quand même pour avoir mes deux, je n'arrive pas à l'avoir. Tu dis à quelqu'un, commence à sourire, commence à te voir. Il dit, non, mais je n'ai encore rien eu. Comment est-ce que je peux avoir cette attitude? La vérité, celui qui ne sourit pas, celui qui n'est pas enthousiaste par rapport à ce qu'il fait, il ne peut rien avoir dans la vie. Si ton état d'esprit est mauvais, tu vas voir que le matin pour sortir de chez toi, tu auras des problèmes. Vous n'avez jamais observé ça? Quand votre état d'esprit est élevé, qu'est-ce qui se passe dans la semaine? Toutes les actions sont coordonnées, toutes les actions marchent bien. Quand vous êtes un peu down, qu'est-ce qui se passe? Même sortir de la maison, c'est un gros problème. Et aujourd'hui, je suis en train de vous dire, votre attitude va largement déterminer votre altitude. Ne pensez pas. Il y a des gens qui disent, quand je vais commencer à avoir de gros chèques,
Là, ils vont voir mon enthousiasme. Là, je vais commencer à être très enthousiaste. C'est faux. Si tu n'es pas enthousiaste, tu n'as pas commencé ton enthousiasme maintenant, tu n'auras jamais de gros chèque. Quand on est en train de faire ce business, vous savez que chacun vient d'horizons divers. N'est-ce pas? Et on se retrouve en train de faire quoi? La même activité. Selon vous, est-ce que vous pensez que le médecin qui a fait peut-être 8 années d'études, l'informaticien qui a fait 5 années d'études, ils viennent, ils sont en train de faire le marketing des réseaux et chacun utilise sa méthode. Chacun utilise sa stratégie. Le médecin, quand il vient avant de faire la présentation, il prend ton pouls. Et puis, il a une seringue en main. Le pharmacien vient avec sa blouse, commence à prescrire les médicaments. L'informaticien vient, il est assis sur le site, en train de tester la sécurité. Est-ce qu'on peut s'en sortir? Est-ce qu'on peut s'en sortir? Oui. C'est pour cela qu'ici, on parle de changement de paradigme. Ça veut dire quoi? On a nos éducations qu'on a chez nous, qui sont de bonnes éducations. Nos parents nous ont bien éduqués, notre société nous a bien éduqués, notre quartier nous a bien éduqués, notre filière nous a bien éduqués. Mais on se retrouve à faire une activité qui est différente de certainement ce que tous les gens autour de nous nous ont déjà montré. Est-ce qu'on peut prendre n'importe quelle stratégie pour faire? Non. Ça veut dire quoi? Le changement de paradigme dont nous parlons ici, c'est ta capacité à pouvoir faire quoi? À venir dans une nouvelle filière, venir dans un nouveau métier et accepter d'apprendre de nouvelles choses, accepter d'apprendre de nouvelles manières de faire, accepter d'apprendre une nouvelle culture, accepter de te laisser guider par certaines personnes et commencer un nouveau métier. Certaines personnes rentrent dans le business et veulent utiliser leur stratégie de maçonnerie pour venir faire le network. Ça ne marchera pas. Est-ce que les techniques de finance marchent en marketing? Donc si tu dois aller apprendre le marketing, qu'est-ce que tu fais? Tu vas te former. Maintenant, imagine-toi que tu t'en vas te former en marketing, tu es financier. Tu dois te former en marketing. En finance, on parle de quoi? Comptabilité. On parle de marché, gestion de marché. On parle de quoi? Compte. On parle de compte. On parle de tout ce quoi? Fiscalité. On parle de tout ça. En marketing, tu t'en vas, tu es nouveau. Mais quand le professeur de marketing est en train de parler, tu lui dis ce que tu es en train de dire là, qu'on faisait fiscalité. Est-ce que tu peux apprendre de nouvelles choses? Non. Jamais. Ça ne marche pas comme ça. Qu'est-ce que tu dois faire? Le truc, ce n'est pas d'oublier ce que tu as appris ici. Le truc, c'est de dire, j'ai déjà ça en poche. Mais qu'est-ce que je peux apprendre d'autre? En ce moment-là, quand tu es dans la classe d'ici, tu laisses tomber tout ça. Pourquoi? Parce que tu es prêt maintenant à apprendre de nouvelles choses, à additionner à ce que tu as déjà. Donc le marketing de réseau ne vient pas vous dire de laisser tomber tout ce que vous avez appris, mais de venir apprendre de nouvelles choses. Qui certainement, si vous avez commencé à avoir de l'expérience dans le marketing des réseaux, certainement les techniques que vous avez dans d'autres filières peuvent vous aider à être meilleur. C'est ça le changement de paradigme. Parce que parmi vous, il y a des gens qui sont de très bons financiers. Il y a des gens qui sont très bons dans leur domaine. Dans leur bureau, dans leurs différents secteurs, personne ne peut les égaler. Je respecte cela. Mais ici, c'est le marketing des réseaux. Et le marketing des réseaux, pour la plupart d'entre nous, c'est nouveau. Donc, on doit accepter qu'apprendre quelque chose de nouveau, ça nécessite quoi? Ça nécessite qu'on laisse tomber ce qu'on a déjà appris et on devient quelqu'un de nouveau et on commence à faire le business. Donc, ça, le changement de paradigme va faire appel à une notion très importante qui est l'humilité. Et dans ce business, on a souvent des problèmes qu'on se crée. On ne veut pas laisser tomber ce qu'on sait et apprendre de nouvelles choses et on vient, on mélange tout. Est-ce qu'on est d'accord? Tu es un sportif, tu veux apprendre de nouvelles choses, qu'est-ce que tu vas faire? Tu oublies. Attends, tu es footballeur. Au football, on fait quoi? On court avec un ballon rond, avec 11 joueurs sur le terrain, de chaque côté. Au tennis, on joue comment? Soit avec deux de chaque côté, soit avec une personne.
Et on joue avec quoi? Une raquette. Est-ce que tu peux aller courir sur un terrain de tennis comme si tu cours sur un terrain de football? Donc si tu es footballeur, que tu veux apprendre le tennis, tu fais quoi? Changement de paradigme. Donc dans plusieurs domaines de notre vie, et ce n'est pas seulement dans le marketing des réseaux, à chaque fois qu'on va aborder quelque chose de nouveau dans notre vie, on fait un changement de paradigme. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? À chaque fois que tu abordes quelque chose de nouveau qui est hors de ta zone, tu fais un changement de paradigme pour avancer. Est-ce qu'on est d'accord? Et ce business est quelque chose de nouveau pour la plupart d'entre nous. Et même si tu as déjà fait le marketing de réseau avec QNET, il est différent des autres marketing de réseau. Donc il y a des nouvelles stratégies. Le plan n'est pas pareil. Tout n'est pas pareil. Donc tu dois faire un changement de paradigme lorsque tu viens dans ce business. Changement de culture, changement de manière de faire. Pourquoi le changement de paradigme il est important? Parce que la plupart d'entre nous, on allait à l'école. Et à l'école, on nous a dit, plus tu connais des gens, plus tu réussis. N'est-ce pas? C'est pour ça que le changement de paradigme vient asseoir quelque chose de très important. Et je parlais d'humilité tout à l'heure. Certaines personnes se trouvent dans des situations où c'est difficile d'être humble. N'est-ce pas? Je prends l'exemple de quelqu'un qui démarre le business. Et les parents surtout. Un père qui démarre le business. Et c'est son fils qui l'envoie dans le business. N'est-ce pas? C'est son fils qui l'envoie dans le business. Et puis, son fils doit lui faire la formation. Est-ce que vous pensez que c'est facile? Est-ce que vous pensez que c'est facile pour ce père-là de faire un changement de paradigme vis-à-vis de son fils? Non. Il va venir, il ne va pas voir qu'il est dans un nouveau système, qu'il doit apprendre, mais il va voir qui? Il va voir la personne de son fils. Et à partir de ce moment, il brise tout son business. Il gâte tout son business. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas réceptif. Un professeur qui a enseigné son élève, il te connaît très bien. Tu lui présentes ce business et il démarre le business avec toi. Et un jour, tu viens, tu dis, non, monsieur, on va faire la formation. Asseyez-vous. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Il commence à fouiller tes notes. Comment ça se rappeler, ce gars, il n'a pas eu 0 un jour. Qu'est-ce qui va se passer? Il ne va plus écouter ce que tu dis. Voici des aspects qui font qu'on loupe carrément la formation de départ. Ça peut être quelqu'un qui n'est pas allé à l'école. Ça peut être quelqu'un qui n'est pas allé à l'école. Qui se trouve devant vous, qui doit vous faire la formation. Tu es ingénieur. Le gars, quand il commence à parler, le là, il met ça à la place de là, il met à la place de le, bon. Et puis tu es assis là, il doit te faire la formation. Est-ce que ça passe? Donc tout ça, ça fait qu'on démarre mal notre business et après, pour rattraper ce genre de choses, c'est compliqué. L'une des choses que je vais vous dire, ce business, dès que les leaders, dès que les uplines vous assignent quelqu'un pour vous faire la formation, faites confiance à la formation qui va être donnée. Si vous avez compris ça, vous allez pouvoir dupliquer cette manière de faire. Vous allez pouvoir enseigner à d'autres personnes comment est-ce que vous avez fait votre changement de paradigme. Comment est-ce que vous êtes venu peut-être très bourré, très suffisant, et puis vous avez accepté d'apprendre de nouvelles choses et aujourd'hui vous avez du succès. Et ça, c'est important. C'est important pour nous et c'est important pour la progéniture future. Et l'une des choses qu'il faut comprendre avec le changement de paradigme et comment construire une organisation, je le disais tout à l'heure, dans la vie de tous les jours, on nous dit qu'il faut avoir beaucoup de personnes pour pouvoir réussir. Mais dans mon introduction, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit que c'est un business que tout le monde peut. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est un business que tout le monde peut. Tout le monde peut. Tout le monde peut faire. C'est un business que tout le monde peut faire. Mais dans les business classiques, on dit quoi? C'est un business, c'est des business pour pouvoir faire, il faut avoir quoi? Il faut avoir beaucoup de connaissances. Il faut avoir un grand nombre de connaissances. Aujourd'hui, par exemple, vous êtes, responsable ou bien directeur d'une entreprise. Vous voulez recruter un responsable commercial. Un responsable commercial. Selon vous, qui vous allez recruter? Deux types arrivent.
Quelqu'un qui vient et dit, non, moi j'ai vécu à Abidjan, ça fait 30 ans, moi je connais vraiment Abidjan, je connais vraiment tous les secteurs, voici mon CV et j'ai déjà de l'expérience. Et quelqu'un qui vient de Daloa, qui vient à Abidjan, il dit, ça fait un an que je suis ici. Qui vous allez avoir tendance à prendre? Pourquoi est-ce que vous allez le prendre? Parce que vous allez vous dire quoi? Il a beaucoup de connexions, il connaît beaucoup de gens. Ce gars-là, s'il vient dans mon entreprise, automatiquement, mon chiffre d'affaires va augmenter. Donc c'est la mentalité traditionnelle. C'est la mentalité du système classique. Et si j'ai dit au début que tout le monde peut faire ce business, tout le monde peut faire ce business, c'est qu'on doit utiliser quelque chose que tout le monde a. C'est qu'on doit utiliser un principe que tout le monde a. Et tout le monde a un cercle d'influence. Tout le monde a un cercle d'influence. Il faut juste apprendre comment utiliser ton cercle d'influence. Il faut juste savoir comment le détecter. Il faut juste savoir comment le pousser pour qu'il réussisse. Mais tout le monde a un cercle d'influence. Et cercle d'influence, c'est quoi? C'est autour de 2, 3, 4, 5 personnes qui croient en ce que tu dis, qui te font confiance, qui sont prêts à te suivre dans tout ce que tu fais, qui sont prêts à t'écouter dans tout ce que tu fais. Un ensemble de personnes qui vont toujours te dire oui pour ce que tu fais. C'est autour de 3, 4, 5. Certaines personnes m'ont dit quoi? Que ce n'est pas possible. Certaines personnes m'ont dit, peut-être je n'ai pas de cercle d'influence. Certaines personnes m'ont dit, peut-être les cercles d'influence, moi je ne sais pas comment l'avoir. Mais ce que je suis en train de vous dire dans cette formation, c'est que chacun d'entre vous qui est en train de regarder cette vidéo, bien qui est en train de suivre cette formation, a un cercle d'influence. Tout le monde a un cercle d'influence. Il y a un peu plus de 10 ans que j'ai commencé ce business. Et en 2008, quand j'ai commencé le business, mon leader m'a dit, commence les présentations. Il m'a parlé de cercle d'influence. Il m'a expliqué le cercle d'influence. Il m'a dit, le cercle d'influence, c'est des gens qui croient en toi. C'est des gens qui te font confiance. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais moi, je n'ai pas compris des gens qui te font confiance, qui peuvent te suivre. Moi, j'ai compris des gens qui peuvent avoir beaucoup d'argent. Donc, je me rappelle encore que j'ai invité un premier ami. Et je me rappelle encore comme si c'était hier. Cet ami, il est arrivé, il a suivi la présentation. On est allé dans la salle, il a suivi la présentation. Après ma présentation, il m'a dit, Jean-Luc, c'est un très bon business. Je ne pouvais pas imaginer que toi, tu pouvais autant me faire confiance. Et jusqu'à aujourd'hui, il ne m'a plus demandé de quoi s'agit-il. Il n'a jamais démarré le business. Jusqu'à aujourd'hui. Après lui, je me suis dit quoi? Bon, peut-être que c'est lui qui n'a pas compris. Et j'ai continué encore à présenter. Au point où dans mes débuts, je me suis retrouvé à 45 présentations sans achat. Jusqu'à ce qu'un jour, mon upline me dise, Jean-Luc, tu nous fatigues. Quand on fait le point de tes présentations, ça fait autour de 45. Est-ce que tu ne vas pas accepter de présenter ton cercle d'influence finalement? Et on travaille ma liste. On travaille ma liste et on tire deux personnes. Nikes et Guy. Nikes et Guy. J'ai observé Guy. Guy, c'est un cousin. On se voit régulièrement, on se voyait régulièrement. Et quand on l'a tiré, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on choisit Guy? Pourquoi pas ceux qui ont beaucoup d'argent, qui peuvent venir, aujourd'hui on leur présente l'activité, qui peuvent démarrer? Et c'est Guy qu'on choisit. On choisit Nikes. Nikes, moi quand j'ai démarré le business, j'étais au chômage. Mais Nikes était au chômage avant moi. Donc il avait plus de problèmes que moi. Et on me dit, j'ai fait trop de présentations,
qu'il faut que j'arrête, il faut que j'aie mes deux, et que c'est trop, c'est trop. Et on me choisit deux personnes qui pour moi sont pires que moi-même lorsque je devais démarrer le business. Et ça, c'était vraiment compliqué pour moi de pouvoir faire les présentations. Et j'ai boudé pendant quelques temps, je ne voulais pas faire les présentations. Pour moi, ils allaient oublier et j'allais continuer mes présentations. Et donc, j'invite Nikes. Nikes suit la présentation tout de suite. Il me dit, Joe, je n'ai pas l'argent. Pendant la présentation, il dit, les gars, Jean-Luc, toi-même, tu sais que je n'ai rien. Où je vais trouver cette somme d'argent? J'ai regardé mon leader, j'ai dit, ah, je t'avais dit que lui, il n'a pas l'argent. Mon leader dit, c'est pas grave. On laisse Nikes partir à la maison et on passe voir Nikes pour échanger. Le deuxième jour, on passe voir Nikes. Nikes change d'attitude. Nikes dit, ok, c'est vrai que je peux demander à telle personne, je peux demander à ma grande soeur, je peux demander à telle personne. Et tout de suite, la même soirée, on trouve une idée. Une à deux semaines après, Nikes vient avec de l'argent. Il dit, voici de l'argent, mais je vais compléter plus tard. Automatiquement, j'appelle Guy. Il dit, Guy, il y a un business, viens. Je ne voulais pas présenter du tout Guy. Mais j'appelle Guy. Guy, on présente le business à Guy. Aujourd'hui, deux jours après, Guy trouve l'argent, il vient démarrer le business. J'ai ma première personne. Nikes, ça a mis un peu plus de temps. Mais après, je crois, deux mois, Nikes démarre le business. Le point que je veux expliquer, c'est que regardez un peu le temps que j'ai perdu. Regardez le temps que ça m'a pris pour présenter ces deux personnes. Regardez l'argent même que j'ai dépensé pour présenter toutes ces personnes. Parce que présenter 45 personnes, ça demande quoi? Ça demande de l'investissement. Ça demande du temps. Ça demande même de l'énergie de tout un bureau. Et j'ai perdu tout ce temps-là juste avant de présenter ces deux personnes. Et ces deux personnes n'ont pas démarré parce que c'était les deux personnes les plus riches de ma liste. Avant eux, j'avais présenté d'autres personnes qui avaient beaucoup plus d'argent, qui avaient beaucoup plus de connaissances que ces personnes. Pourquoi c'est ces deux personnes qui ont démarré? C'est ces deux personnes qui ont démarré parce que c'était ces deux personnes qui pouvaient me suivre sans poser de questions. Je me rappelle quand j'ai présenté l'activité à Nikes, Nikes n'est jamais venu me dire « je doute de l'activité ». Je ne veux pas le faire parce qu'il y a telle chose. Le seul problème que Nikes avait, c'était sa capacité à rassembler l'argent. Guy n'a pas posé de questions du tout. Il dit, si tu es dedans, il y a tonton qui m'a donné de l'argent, ça est avec moi depuis, je vais prendre pour le faire. Il a pris pour faire le business. Il y a l'un de mes leaders, Ineka, qui a démarré le business. La même chose. Il présentait n'importe qui. Ses amis de la fac. Ses amis de quartier, ses amis avec qui il sort, c'est eux qui le présentaient. Un jour, je l'ai appelé, je lui ai dit, tant que tu vas présenter ces gens de personnes, personne ne va te rejoindre. Et c'est là qu'il a décidé de présenter à son ami, Narcisse. Narcisse n'était pas la personne la plus riche de sa liste. Enfin, Narcisse même, c'est... C'était compliqué. Mais il appelait Narcisse. Le jour qu'il appelait Narcisse, quand Narcisse est venu, j'étais assis là, je l'ai regardé, j'ai dit, Mais Narcisse a démarré en combien? En 4 jours. En 4 jours, Narcisse a démarré le business. Narcisse a démarré le business en 4 jours. Tous ces exemples, c'est pour montrer que quoi? Tant que on ne va pas suivre ce qui est bon, ce que le système nous enseigne, suivre le cercle d'influence, on peut prendre du retard. Et souvent, le retard peut nous emporter. À cause de quoi? À cause du découragement. Aujourd'hui, quand nous sommes en train de travailler avec nos downlines, comment est-ce qu'on peut déterminer nous-mêmes notre propre influence et le cercle d'influence des personnes autour de nous? Il y a des questions assez stratégiques. Depuis combien d'années vous vous connaissez? Où la personne habite?
Tu connais sa femme? Tu connais ses enfants? Tu connais ses objectifs dans la vie? Tu connais sa date d'anniversaire? Ça, c'était la stratégie. Je ne dis pas que ça marche à 100%, mais quand tu es proche et que le gars répond à la plupart des résultats, tu te rapproches plus du cercle d'influence. Et malheureusement, on n'appuie pas le bon niveau d'influence. Tu as une amie, tu lui donnes des conseils sur son couple, et elle écoute, elle applique. Il y a des gens comme ça, non? Ça veut dire que tu l'influences sur quel côté? Tu l'influences sur le côté des conseils sur son couple. Mais si tu lui parles de business, ça peut marcher. Si tu lui parles de business, ça marche? Non. Donc si je lui présente l'activité, je sais que la personne me coûte. Quand je lui dis non, c'est un business qui va arranger ton couple. Parce que quand j'ai démarré ce business, j'ai vu des couples qui se sont rassemblés davantage. Pourquoi? Parce qu'ils vont à Dubaï ensemble, parce qu'ils vont en Malaisie ensemble, parce qu'ils font des choses ensemble. Est-ce que je ne suis pas en train de l'influencer? Mais est-ce que j'ai dit le business, il est bon? J'ai dit le business va arranger ton couple. Parce que là, elle m'écoute. Quelle est l'influence que tu as? Et dans chaque situation, on a un aspect sur lequel on influence la personne. Savoir utiliser ton influence. La chose qu'on doit aussi voir, c'est qu'il faut éviter les préjugés. Le cercle d'influence ne marche pas avec les préjugés. L'un des plus gros préjugés qu'on peut avoir en faisant ce business, premier préjugé, est lié à l'argent. Le premier gros préjugé, le gars, il est mon cercle d'influence. La tante est mon cercle d'influence. Mais il n'a pas d'argent. Donc l'argent est l'élément que nous utilisons pour disqualifier la plupart des personnes autour de nous. Préjugés. Il y a des préjugés qui vont au point où la personne dit quoi? Ce business, quand j'ai démarré, celui qui m'a fait la présentation, il était vraiment enthousiaste, il a fait beau. Mais mon gars là, il est trop... Quand je le vois là, il ne peut pas être... Il peut pas être chaud chaud. Donc, on le disqualifie. Donc, nous-mêmes, nos préjugés vont venir faire quoi? Vont venir faire qu'on va disqualifier plein de gens qui sont autour de nous, qui sont dans notre cercle d'influence, mais qu'on élimine à cause de nos préjugés. Et l'autre préjugé qui est encore plus grave, quand les préjugés viennent du nouveau, ce n'est pas aussi grave. Parce qu'on peut rattraper. Mais quand les préjugés viennent du upline, c'est très grave. Voici une organisation que je dessine comme ceci. Lui s'appelle Pico. Allez, envoyez B, envoyez C. Ici, ils ont envoyé Z et puis X. Donc A, qui a commencé son système, il est le upline. Comment est-ce qu'on peut analyser cette organisation? Il reste un peu, A va avoir sa première commission. Et c'est la liste de Pico qu'on va analyser. On doit analyser la liste de Pico. Pico, c'est le nouveau. On travaille la liste de Pico. Et puis, il y a un gars dedans qui sort, il s'appelle Don Juan. Tu demandes le nom de famille de Don Juan, il ne connaît pas. Pico ne connaît pas, il ne peut pas dire. Tu dis comment il s'appelle, quel est tout son nom? Pico ne dit pas. Vous connaissez depuis combien de temps? Il dit ça fait un an. Vous dites, il dit non, pourquoi tu penses que c'est son cercle d'influence? Il ne peut rien dire. Donc, pertinemment, A sait que, c'est pas quoi? C'est pas le cercle d'influence. N'est-ce pas? Donc, on a déjà éliminé Don Juan. Il ne fait plus partie de la liste. Mais, Pico, il est intelligent. Quelques temps après, il dit, ah, mon ami Don Juan, là, il a l'argent d'elle. S'il appelle tout de suite qu'il vient, là, il va faire son achat. Qu'est-ce qui va se passer dans la tête de celui-là? Qu'est-ce qui va se passer? Il ne va pas dire envoyer, il va dire ça ne se fait pas normalement. Normalement, ça ne se fait pas. Mais appelle-le quand même, on va voir.
Est-ce que vous comprenez? C'est pas ça qui est le plus dangereux. Si Don Juan ne démarre pas, on peut rattraper. Mais si Don Juan démarre, ce gars ne va plus jamais écouter, il ne va plus jamais croire au cercle d'influence. Parce qu'il sait qu'il est un leader corrompu. Il t'a corrompu avec un achat. La chose, ce n'est pas qu'il démarre ou il ne démarre pas. La chose, c'est de rester ferme dans ce que tu dis. Souvent, des gens doivent apprendre de leur expérience. Utiliser le cercle d'influence, ça évite le découragement. Celui qui a fait 50 présentations par rapport à quelqu'un qui a fait 5 présentations, qui va plus vite se décourager? Celui qui a fait 50 présentations a la certitude que ça ne marche pas. Donc, en utilisant le cercle d'influence, vous protégez vos downlines. Vous protégez vos downlines. Vous les protégez. Vous les protégez. Vous les aidez à comprendre. Donc, juste, soyez là. Utilisez le cercle d'influence. Rassurez-vous que les gens qui rentrent dans votre réseau ont compris le cercle d'influence et ils vont dupliquer. Et tant que les gens vont utiliser le cercle d'influence, votre réseau va avancer. Et vous allez avoir de l'argent. Est-ce qu'on est d'accord? Donc il faut suivre ce principe-là. Il faut suivre ce principe de cercle d'influence. Et quelle autre raison on peut donner? Ça facilite la communication. Bravo. Ça facilite la communication. Ça facilite le suivi. Ça facilite le travail du nouveau. Ça facilite. Vous n'avez pas vu des nouveaux qui sont découragés juste avec leur première présentation? Juste après la première présentation, il va, il ne revient plus. Pourquoi? À cause de la qualité de la personne qui l'a présenté. Est-ce que vous n'avez jamais vu des gens qui viennent en salle et la première présentation du gars, il est désagréable? Ça facilite le travail du nouveau. Donc, en utilisant le cercle d'influence, vous protégez la nouvelle personne qui vient d'arriver. Il y a un avantage considérable. Le nouveau qui vient, il n'a pas besoin de connaître beaucoup sur l'entreprise. Juste avec la qualité de la personne qu'il a présentée, il peut faire démarrer la personne. Qualité de la personne. Donc, ça fait quoi? Ça vient faciliter le travail du nouveau. Et ça vient faciliter vous-même votre travail. Vous êtes d'accord? Utilisons le cercle d'influence. Ça fait 10 ans que j'utilise ces principes. Ça fait 10 ans que j'utilise cette technique. Et depuis toutes ces périodes-là, ma manière de faire n'a pas changé. Vous êtes d'accord? Ma manière de faire n'a pas changé. Et ça va vous aider à construire votre réseau de manière plus durable. Et celui qui veut construire un système à pilotage automatique, où à un moment donné, sa gauche et sa droite évoluent sans qu'il soit obligé de faire des efforts considérables, ma solution, c'est d'utiliser le cercle d'influence. Et le cercle d'influence nous a prouvé à plus d'une fois que c'est le meilleur système. On l'a utilisé en Côte d'Ivoire, il a marché. Et il marche jusqu'à aujourd'hui. On l'a utilisé au Cameroun, il marche. On l'a utilisé au Niger, il marche. Au Burkina, il marche. Partout où on passe, où on utilise le cercle d'influence, on arrive à gagner des marchés assez importants. L'un des principes de ce business, c'est qu'il faut créer une bonne duplication. Vrai ou faux? Il faut créer une bonne duplication qui va te permettre d'avoir quoi? D'avoir une grande organisation. Mais comment est-ce qu'on peut créer un grand réseau si on n'arrive pas à travailler avec ceux qui sont dans notre réseau? Comment est-ce qu'on peut le faire? Donc le cercle d'influence va faire quoi? On doit apprendre à travailler avec notre cercle d'influence. Est-ce qu'on est d'accord? La bonne manière de travailler avec son cercle d'influence, c'est de les assister. Est-ce qu'on est d'accord? C'est de les assister. Tous ceux qui démarrent nouvellement dans votre business, c'est des bébés, c'est des personnes. J'ai dit tout à l'heure, vous faites le changement de paradigme, ils deviennent comme des bébés. Non, il faut faire quoi? Il faut tenir leurs mains. Il faut les aider. Il faut leur donner la vision. Il faut partager la vision. L'une des choses, il faut être patient envers ces personnes. Les voir grandir, les voir tomber, les voir trébucher, mais il faut être patient avec ces personnes. Travailler avec son cercle d'influence, la plupart d'entre nous n'arrivent pas à le faire parce qu'on n'a pas cette patience-là. On veut que quand ils démarrent le business, ils deviennent automatiquement de grands leaders. On n'a pas le temps de s'asseoir avec, de nous asseoir avec eux et de les aider à comprendre le système étape après étape et grandir dans le système. Pour pouvoir travailler avec son cercle d'influence, Il ne faut pas enlever de votre manière de faire votre relation avant le business.
Je vois des gens qui démarrent le business, ils font rentrer leur ami intime, et dès que leur ami intime rentre, automatiquement, ils commencent à devenir des ennemis. Parce que vous oubliez l'élément fondamental qui vous a amené dans le business. L'élément fondamental qui vous envoie dans ce business, c'est que vous étiez d'abord ami. Tant que tu vas construire ton business autour de cette amitié, sans entacher cette amitié, vous allez toujours grandir dans ce business. Comment bâtir son network avec son cercle d'influence? N'oubliez pas, et n'oublions pas, que dans notre présentation, on a parlé beaucoup d'aide. Beaucoup d'aide. Beaucoup d'aide. Aider dans ses présentations. Être présent dans ses suivis. Être présent dans toutes les étapes de son business. Le jour de sa formation, être présent. Le jour de ses présentations, être présent. L'assister à chaque étape de son évolution. C'est comme ça qu'on maintient son cercle d'influence dans le business. À chaque fois que tu es assis avec lui, partagez ta vision. Où est-ce que vous êtes en train de partir? De quoi est-ce qu'il te parlait d'habitude? Qu'est-ce qu'il te disait? Qu'est-ce qu'il voulait réaliser? Parlez de tout ça à chaque fois. Ça, ça maintient la plupart des personnes dans ce business. Et si la plupart d'entre vous êtes là dans ce business, c'est parce qu'à un moment donné, celui qui vous envoyait dans le business a su vous parler de ce que vous recherchez dans ce business. Et c'est rentré et c'est aujourd'hui, vous croyez en ça. Et aujourd'hui, je suis convaincu que certainement, vous n'avez plus besoin de ces personnes-là pour pouvoir faire votre business. Vous réveillez chaque jour et vous faites votre business. Et c'est comme ça qu'on maintient quelqu'un qui est de notre cercle d'influence dans ce business. Est-ce qu'on est d'accord? Et c'est après ça, quand tu as su maintenir des personnes dans ce business et que tu ne crées pas un système où c'est first in, first out, celui qui rentre aujourd'hui sort demain, celui qui rentre aujourd'hui sort demain, celui qui rentre aujourd'hui sort demain. Dès que ton système est un système comme cela, tu ne vas jamais avancer dans ce business. Mais ça doit être un système qui retient les gens. Un système où celui qui est là a envie de rester, celui qui est là a envie de rester, ceux qui sont là ont envie de rester, et ainsi de suite, tu crées ton système. Donc, le plus grand nombre que tu vas maintenir dans ton système, mieux ton système va évoluer. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, travaillez, référez votre cercle d'influence, mais battez-vous et travaillez à les maintenir dans le système. Ça, c'est comme ça qu'on arrive à construire un réseau durable et c'est comme ça qu'on arrive à construire un réseau qui va faire des millions, des millions, des millions et des millions. Et nous sommes dans ce business pour avoir 1 000 $, 2 000 $, 3 000 $, 4 000 $, 10 000 $, 20 000 $, Fais le max out Blue Diamond. Fais le max out Blue Diamond. C'est pour cela que nous sommes là. Est-ce qu'on est d'accord? Et si on sait construire notre network comme ceci, c'est sûr que chacun d'entre nous va avoir cela. Étape à étape. Étape à étape. Et c'est là qu'on construit un grand réseau. Merci beaucoup.